retrouve aujourd'hui pour une petite série de vidéos sur comment travailler son cardio chez soi sans matériel et sans besoin d'espace ni rien. C'est important, on est en période de vacances scolaires, beaucoup de clubs ont fermé, donc on peut continuer à travailler son cardio chez soi, en plus des vidéos qu'on fait sur la souplesse que vous pouvez aussi travailler à domicile. Le cardio, ça peut se faire simplement en 10 minutes, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus adapté aux sports de combat, à tous les sports de combat qui vont chercher un pic d'intensité et pas forcément un travail de fond comme la course, etc. Pour ceux qui veulent perdre du poids et brûler des graisses, ce type d'entraînement est aussi idéal. Donc n'hésitez pas à en abuser. Regardez les vidéos, on en a fait 5 pour l'instant. Les deux premières, c'est un peu plus sous forme de tutoriel. Donc voilà, ça vous permet de voir comment ça marche, de comprendre, etc. Ensuite, il suffira de suivre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Phoenix Taekwondo, d'aimer les vidéos que vous avez appréciées sur le cardio ou sur d'autres sujets, de nous laisser un petit commentaire sur les sujets que vous voulez voir en vidéo ou pourquoi pas sur vos impressions, vos questions, etc. On essaiera d'y répondre assez rapidement. Merci, à très bientôt et abonnez-vous. Ok, on commence avec 50 jumping jacks ou 50 militaires. Essayez de suivre le rythme. Si on a fini l'exercice juste avant vous, c'est que vous êtes en retard. Ok, on va commencer. 3, 2, 1, top. Allez, on est parti. Voilà, super, on garde le rythme. Allez, on garde le rythme et après on enchaînera avec les pompes Superman. Allez, on garde le rythme. Allez, encore, encore, on est presque au bout. On lâche rien. Allez, il faut suivre la même vitesse, la même cadence. Allez, pompe Superman, 10. Allez, on monte bien les bras, on décolle, pousse avec les bras, pas avec le dos. Allez, allez, on y va, on y va, on y va. Allez, suivez le rythme. Dès qu'on aura fini avec les pompes Superman, on enchaîne avec 40 montées de genoux. Ok, 40 montées de genoux pour la suite. Allez, on est parti. On y va, 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 on lâche pas. Les genoux, ça doit aller très vite, le plus vite possible. On accélère, c'est nerveux, c'est carrément une machine. Allez, on enchaînera avec 10 burpees. Allez, 10 burpees. Allez. 1. 2. 3. Ok, on va enchaîner ça avec 20 mountain climbers. Donc, c'est les montées de genoux avec les mains au sol. Et on enchaîne les mountain climbers tout de suite dans la foulée. 10 burpees et mountain climbers. Allez, 20 mountain climbers. Et ensuite, on fait fente sauter, squat sauter en alternance. Squat sauter, fente sauter, squat sauter, fente sauter 10 fois. Ok. Allez, 20 mountain climbers. Allez, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère encore. Allez, une fente, un squat sauté, une fente sauter. Tout de suite, on est parti, 10. Allez, on est parti, une fente. Nouveau squat. Allez, sautez, fente de l'autre côté. Voilà, on est à deux. Allez. Voilà. Super, on passe toujours par le milieu. 3, encore, descend bien. Allez, 4, super, on ne cède pas des mains. Encore. Allez, celui-là, il est dur, il pique. Encore, on y va. Une fente. Allez, il y en a 4. Allez, c'est celui-là le plus dur. Allez, encore. Encore. Allez, t'es à 6. Allez, encore. Allez, encore 3. Allez, encore. Allez. Encore 2. Allez, au milieu. Une fente. Au milieu. Une fente. Allez, encore 1. Au milieu. Une fente. Au milieu. Et une fente pour finir. Et on enchaîne avec 30 gainages push. Allez, on se met sur les coudes et on pousse avec les pieds. Donc on donne une légère impulsion vers l'avant, on revient vers l'arrière. Toujours sur le bol du pied, on passe sur les doigts de pied 30 fois.
Et on enchaînera avec 20 crunch jambes levées. Allez, 20 crunch jambes levées. On monte les jambes. Voilà. Allez, 1, 2. On ne tire pas sur la nuque. Hein. C'est vraiment le haut du corps qui monte. Si vous avez peur de tirer sur la nuque, croisez les mains sur votre torse. Voilà, comme Fanny, super. Là, vous ne tirez pas sur la nuque. C'est bien le haut du corps. Vous voyez les épaules comme ça décollent, le dos il décolle du sol, c'est ça qu'on veut. Donc, ce n'est pas la nuque qui tire. Ok, fin du premier tour.